Aujourd'hui encore, elle est restée chez elle. Ce mercredi, c'est pour son fils. Mais depuis début décembre, Maude de Moigny cumule déjà 25 jours de grève, 35 pour son conjoint, également cheminot. Des concessions à faire donc, et une fatigue qui s'installe. C'est psychologiquement aussi que c'est compliqué. Au bout d'un, on n'a pas la même attitude quand ça fait une semaine qu'on a fait grève et au bout d'un mois. Au bout d'un mois, on est plus irritable. Moi, j'ai pas que ma vie de cheminote, en plus j'ai ma vie de maman à gérer à côté et des fois c'est éreintant. Et quand j'entends que de toute façon je suis une fainéante et que ça m'arrange bien de faire grève, c'est un peu difficile à entendre. À 30 ans, Maude est réserviste à la SNCF depuis 6 ans, remplaçante dans les postes d'aiguillage. Des horaires décalés, des week-ends travaillés, un salaire modeste. Si elle est devenue cheminot, ce n'est ni par vocation ni pour son régime de retraite, mais elle y a trouvé comme une deuxième famille, avec le local CGT comme foyer. On se retrouve ici, on discute, on décide de... on continue, on continue pas, on va faire quoi, voilà. C'est tous les jours. Il n'y a pas de lassitude ? Bah non, on est là pour se soutenir, donc ça se passe plutôt bien. Alors, pour l'agent de circulation de la SNCF, aujourd'hui encore pas question de rater la journée de mobilisation. Elle affirme que si elle se bat, ce n'est pas pour son statut, mais contre une réforme qui imposerait à certains de travailler jusqu'à 67 ou 68 ans. Est-ce que vous pensez encore qu'on peut revenir en arrière ? Alors, je pense que ça peut s'adapter. Après, que le projet va être voté, je pense que là, ça traîne tellement que... Ou alors, il faudrait que la France entière se soulève, mais bon, on n'est pas des idéalistes non plus. Donc après, je pense que ça peut s'adapter. Mais il faut des gros points d'adaptation, par contre. À Argentan, les agents SNCF ont fait grève pendant 6 semaines. Si la plupart a aujourd'hui repris le travail, ils continuent à être de toutes les manifestations et restent déterminés à obtenir un recul du gouvernement sur les retraites. Pour la répartition.